Je lui ai demandé. Et toi, toujours rien? Bah si, je les ai reçus aussi, les casses. Et... accroche! Bah je suis reçue aussi. Ah! Balmorveux est reçu aussi. Ce soir, c'est à nous voilà. Wouhou! Thomas Pesquet et Shane Kimbrough enfilent une combinaison spatiale pour réaliser des tâches d'entretien de la station spatiale. Ils doivent notamment rechercher une fuite d'ammoniac, lubrifier certains mécanismes de l'un des bras robotiques et réaliser quelques câblages. Mais la mission dévie brusquement de son but. Finalement, je fais un pique-nique. Il progresse à la surface de la station spatiale quand il doit s'inquiéter devant lui sur l'intérieur de la station. Non, attends, on va suivre. Gardez-les. Si jamais t'en as besoin. Merci, papa. Mademoiselle. Hé, mademoiselle. On dit plus bonjour à son papa, hein, dès qu'il est caissé en argent, hein. Bah, quand même. En fait, Chloé est reçue. C'est vrai? Ouah, super. On va se faire une petite fête, là. Non, demain, parce que ce soir, elle le fait avec ses amis. Ah, bah demain. Ah. Est-ce que tu te souviens de la zone anonyme? Oui, pourquoi? Ben, ils viennent de rouvrir le dossier, là. Bon, écoute, j'en sais pas beaucoup plus pour l'instant. Dès que j'ai des infos, je te fais signe, promis. Hein. Hein. Moi, je vais me prendre une petite douche en attendant. A plus. Je vous ai dit que j'étais la première de ma promo. Est-ce que je vous ai dit que j'étais la première de ma promo? Oui. Peut-être qu'après ça, tu deviendras la plus populaire de l'université. Populaire? Quelqu'un a pensé à prendre le ballon? Parce qu'il y a un étang juste à côté. Ah, c'est quoi? Tu veux te baigner dans ce bain de sang? Bain de sang? Ben Barbie, tu veux dire? Il était pas bleu cet étang avant? Ouais, mais c'est Barbie qui a eu ses règles. Bon, fais-moi le couteau, Cyril, s'il te plaît. C'est pour le saucisson ou pour la chasse au loup? La chasse au loup, faut bien protéger les villageois. Allez, Sev, balance la musique. La partie commence. Écoute ça, tu vas. Deux fesses discutent. L'une des deux fesses dit à l'autre. Pourquoi on ne deviendrait pas amis? Je sais pas. Parce qu'entre nous, c'est de la merde. Ça, t'es vraiment con, hein. C'est pas ici qu'il faut l'envoyer, loser. Oh merde. Vraiment, comme promis, si on t'a pris rien. Putain, ouais. Ça doit être des arbres, ça. Bah, c'est malin. Ah, ben bravo. Va falloir aller la récupérer maintenant, cette putain de balle. Eh ouais. T'as vu ça?
Bizarre ça, non? Quelqu'un a dû passer par là et nous l'a renvoyé. Je vois que ça, quoi. Je sais pas si t'es au courant, mais dans les films d'horreur, les personnes qui disent qu'il n'y a rien meurent les premières. On est dans la réalité, Greg. Greg? Bah, E.T. Bon, on se la fait cette partie? Ouais. Qui fait le game? Moi, je veux bien. C'est parti. La nuit tombe. Des bruits de buissons et de bestioles se font entendre. Un petit hurlement surgit. Aou! La nuit est sombre et froide. Le loup se réveille. Le loup se recouche. La neige commence à tomber. Il fait froid et verglaçant dehors. La sorcière entend quelques petits gémissements et se lève. La sorcière se recouche. La nuit fut longue et le jour se lève et tout le monde se réveille. Personne n'est mort. Moi je pense que c'est Edith le loup. J'ai entendu se lever de son lit cette nuit. J'ai entendu du bruit vers elle. C'était quoi ça? Ça devait être un lapin ou quelque chose comme ça. Enfin, je l'espère. C'était peut-être un loup-garou. Après, c'est que des petits bruits, hein. Quand la nuit arrive, les animaux sortent, c'est évident. Et vous voulez qu'on aille voir? Ouais. Moi, je propose qu'on continue à jouer. Par contre, si on continue à entendre d'autres bruits, là, faudra aller voir. Ça me va. Bon, alors, qui est ce fameux loup-garou? Bah, je pense toujours que c'est Edith, hein. Je la connais, elle sourit nerveusement. C'est vrai que j'ai fait sortir mon chien cette nuit. Il avait envie de pisser. Mais en aucun cas, je suis loup, hein, je vous assure. Par contre, il me semble avoir entendu du bruit vers chez Chloé. Non, mais là, c'est bon, on se tire d'ici, là, c'est bon. Et attendez, c'est peut-être quelqu'un qui essaie de nous faire un coup. Mais tu veux vraiment me faire un palais, t'en suis sûr, hein? Surtout que là, c'est deux fois. Tout à l'heure, quand on joue avec ce bruit, on la balle et on fait tout seul aussi. Je pensais au début que c'était quelqu'un, mais là. Attends, je comprends pas ce que ça pouvait être d'autre. Bon, de toute façon, on rentre tous les d'accord, on va pas prendre le risque. Même si c'est quelqu'un qui veut nous faire peur, tant pis. Tiens, il a fait tout ça. Je peux pas fêter notre réussite en paix. La paix. Tu l'auras au paradis, ma chère. Putain, c'est bon bordel! On voit plus rien! Ne vous déplacez pas trop, on pense qu'on part! Mais quittez où? Et où est-ce qu'on est, les gars? Je rêve ou? J'ai l'impression qu'on sort d'une attraction, là. Non, tu rêves pas. Bordel, les gars! Il est 4h du mat! Hé! Hey, venez voir un peu ça! Ah, c'est quoi cette horreur? Non, mais c'est affreux! Oh, c'est hideux! On devrait le récupérer, non? Et puis, vu ce que c'est, je pense qu'on devrait le dire à personne. Non, mais je sais pas si je pourrais me taire longtemps. Puis pourquoi on le prend pas juste en photo? Bah ouais. Non, une photo ça peut disparaître, mais pas ça! Mais pourquoi on l'appellerait pas tout simplement les flics? Mais tu sais très bien que je ne peux pas, et si ça se trouve, ils vont penser qu'on est ivre. Avec ce que j'ai déjà fait l'année dernière... Et surtout qu'on a bu de l'alcool. Je te rappelle que Sèvres est mineur. C'est clair. Mais ta mère est flic, non? Elle peut pas nous aider? Non, mais même si elle nous aide, elle nous amènera au poste. Elle va nous faire faire un test d'alcoolémie, c'est sûr. Je suis désolé, les gars, je peux pas prendre ce risque. Je comprends. Ok, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire?